premier jour à Mequinenza, le matin, on se prépare, on va embarquer sur les bateaux et puis on va commencer la pêche, découvrir Mequinenza. On a pas mal de bateaux à faire et puis ça va être cool. Allez, c'est parti. Ce matin, c'est tous les deux, on est avec toi. D'accord. Et après, cet après-midi, on a fait des groupes, là, ça va changer dans la... Comme vous voulez, pas de soucis, nous, on est à dispo. Hop. Il y a de la caméra partout, là, ça rigole, quoi. Ah ouais, là, faut filmer, là. Vous êtes cerné ? Moi, je t'en fais pas. Laisse. T'as pris le pire avec toi, ce matin. C'est vrai ? C'est qui, c'est toi ? Non, c'est lui, moi, je... C'est toi. Non, ok, non, c'est on va voir ça. Moi, je sais pas, chat noir, pourquoi le pire ? Non, non, c'est un angle que j'ai pas fait. Ah, comme nous, quoi. Ouais, Antoine, il va aller laguer, s'il y a des branches, il va... Ah oui, moi, je débarrasse les branches, s'il y a besoin. Si vous nous les laissez, c'est des bons obstacles. Ah, ouais, ouais, ah merde, oui. Ah là là, fini le guidage. On n'aime pas n'importe quoi. On va pas t'amener tout ce bien sûr. Ah bah, allez. On va peut-être s'équiper pour le... Puisqu'on a pas mal de bateaux. Un petit pull pour naviguer. Ouais, je vais mettre un petit truc, je vais mettre la veste. À laisser couler au fond en ramenant ou ramener... Au fond, gentiment, vite, simplement ramener avec le moulinet. Et quand je vais faire les animations à la cave, on ramène simplement au moulinet. Non, tu arrêtes. Et ton moulinet, tu sais, tu laisses reposer. Ouais. C'était quoi ça là-bas? Ah ouais, ouais. Beau fils quoi. C'est ah il y a beau fiche. T'as une épuisette ou... Non, jamais. J'ai jamais d'épuisette. Ah oui, t'as un beau fiche là. Poisson. Ouais, il y a un beau poisson je crois. Ah, les coups de tête ça sent le cendre. Ça ouais, sent le beau cendre. De toute façon. Mais ah oui, il y a un joli fiche là. Il y a un joli poisson. Il y a un joli fiche. Bien joué. Ah, ils ont les watts. Merci pour la rosade, pour la petite douche. Ils ont les watts ici. Ah, t'as senti, c'est vraiment la petite touche quoi. Mais t'es vraiment, t'es vraiment au fond sur une pêche lente. Tout doucement, pêche lente, tout doucement. Tu filmes hein? Ouais. Vas-y, tu veux te rapprocher? Putain, il est joli. Yes. Wow. Un petit poisson espagnol. Yeah, bien, le premier quoi. Le là, premier d'une longue série. Avoir plein à côté à côte. Je sais pas, ouais. C'est censé. Couper. Ah, t'as coupé net ? Enculé ? J'ai pas compris là. T'as pris une couche à. Coupé net. Cassé. Putain. Ton fluoro il est un peu light. Hein. Ouais. T'es en combien là ? Je sais pas, je crois que je suis en 28. Non, t'es pas en 28 là. Non, ça doit pas être du 28. Moi je suis en 28. Les ciseaux. Ça fait bizarre de changer de canne. Ouais, yes! Du rouleur, nouvelle canne, poisson. Yes! Cool. Tranquille. Dans les airs, hein? Ouais, c'est pour ça que je peux pêcher sur les airs. Yes! Premier fiche, une belle perche! Une belle perche. Oh. Belle, elle. Coffré, hein? Au cul! Hop là! Yes! Yeah! Combien je te fais une petite photo? Yeah. C'est bon? Une petite dernière. Allez. Ça repart. Ça vaut pas le cendre, mais
Elle est jolie quand même. Ah, si, si, bah, il y en a des grosses. Si. Faire des grosses perches, des fois qu'ils sont. Ouais. Ah, le niveau combat ? On a des sacrées grosses perches. Ouais. Avec les eaux sales, c'est vrai que c'est pas tellement le. On l'a pas fait, la semaine. Moi, je n'ai pas fait sur mon bateau la semaine dernière. Ah ouais ? C'est joli. Ouais. Une frappe. Ah ouais. Belle frappe. T'as fini ? Non. Pas eu le temps. Et la douche et le décrochage. Ah, décrochage. Petit one-up sympa là. Je voulais te prendre en photo quoi. J'allais te dire, je vais te prendre en photo. Ouais. Tant pis, tu auras pas la photo. Ouais, le long là, il n'y a rien. Il y a pas grand chose. Ça ne sert à rien de prospecter. On a 3 km, c'est que de la prospection. Il y aura un poisson par-ci, par-là. Ouais. On pêche que les. La stratégie de pêche, on pêche que les troupes de poissons qu'on connaît. Okay. On sait, on les a déterminés, on sait où ils sont, on s'amuse plus à chercher un ou deux poissons. Parce qu'au mois de mars, on pourrait faire toute la bordure là, ouais, parce qu'ils sont installés, les gros poissons sont dispersés. Maintenant les poissons sont plus dispersés. En bordure, oui, il peut y en avoir un peu partout. Ouais, tu peux en avoir un partout. Mais c'est tellement éparpillé que tu perds trop de temps. Ouais. Le temps de pêche qu'on a, on n'a absolument pas le temps de faire ces 3 km. Ouais. Qui vont rapporter peut-être, mais un ou deux poissons. T'as dû bien t'éclater quand même ici. Tous les rares anciens qu'on est encore là. Oui, bien sûr, on a eu. Alors ? C'est joli ? Toi, Vincent ? Moi, je fais un cendre. Ouais. Ils sont au pont là ? On vient d'arriver. En fait, on a pêché un coin juste avant. Et là, on n'a pas encore pêché, on vient d'arriver. Ok. Pêché à quoi là ? On l'a fait, tu l'as fait encore en entourie. T'es monté déjà en haut ? Non. Je suis monté un petit peu, je laisse faire le pont là. Ouais. Mais des plus longues pauses, on n'a pas peur, hein. Vraiment. Plouf. Pause, plouf. Voilà. Ouais. Ah ouais. Tu peux faire de la verticale. Basse. Ouais, pour les bases c'est bien, mais pour les perchettes, elles intéressent dessus. Ouais, faut mieux que ça pop dessus. Bah, je vais essayer plutôt les basses, ce serait plus sympa un petit combo basse. Les perches, moi, je les ai pas chopées dans les herbes, plutôt ici là. Ici là, il y a du fond et. On est entre deux, entre les herbiers et la cassure. Ah là, on est entre les deux. Elles sont vraiment, je les ai chopées ici, les perches. Bah, y en a qui traînent là encore. Oh, c'est derrière. Ah, poisson. Et une perche. T'as vu, elle a pas peur, hein. Elle a pas eu peur, la coquine. Pourquoi j'ai un œil de perche? Ok. Hop là, il repart. J'ai un œil de perche sur mon hameçon, je sais pas d'où il sort. C'est ça. Il y en a une qui a laissé un œil. Oh, et c'est derrière. Il y a des perches à terre qui suivaient. Allez, c'est parti pour l'après-midi, on a mangé. Les autres sont partis là-bas. Et nous, on repart pêcher. On va probablement faire un peu de bordure, peut-être un petit peu de verticale. Histoire de voir s'il n'y a pas des jolis poissons qui traînent, qui vont se lever là, peut-être en surface, avec le soleil qui tape. Le soleil de l'Espagne, ce qu'on n'a pas en France, ce qu'on a perdu depuis 6 mois. You know the light is what you make it. Regarde la différence de couleur, c'est pas impossible. Ah ouais. And I'm still waiting for you to Je vais mettre le Black Minnow moi. Didi. Que j'ai acheté ce matin. Allez, petit Black Minnow, voir ce que ça donne. A priori, ça marche bien ici. Pas très gros, mais ça peut faire du fish. En espérant pas le perdre. C'est quoi le Black Minnow ? Ouais.
Et là, un beau fiche de Mickey. Bien piqué à rat. Tu veux une pince? Tu prends la pince, tu tires un son. La GoPro VT buggée, bien sûr. Je vais changer la carte mémoire. Hein. Ça va pas. Vas-y, tu vois. Voilà. Cool. Yes. Le beau fiche. Joli. Merci. Ça pour rafraîchir. Là, à l'extérieur, ouais. J'étais, je pense, dans 5 mètres, 6 mètres, je dirais. 9 mètres. Ah ouais, à ce point? Ouais, 9 mètres sur les points. Bon, là, ben. C'est les endroits qu'ils aperçoivent. Moi, c'était vraiment lent, juste au-dessus du fond, tu sais, à dandiner, à remonter à peu près 1 mètre au-dessus du fond et à laisser descendre, tu vois. Ouais, ouais, en dandinant. C'est juste que j'ai du mal à avoir la patience de... Bien. Tu l'as ? Bien. Pequenito ! Ah oui, d'accord, je te touche. Il m'a mis une tête. Un petit vorace. C'est bien de voir ça. Bah oui. C'est du futur. C'est un centre de quoi ? L'année dernière ou il y a 2 ans ? L'année passée. L'année passée, ouais. Putain, c'est un bon 10-0 dans le dos. Mais quoi ? C'est un quoi ? C'est un bon vif, ça. C'est un bon... Bon vif à gros centre. Bien joué. Oui, ah, tu l'as, j'ai senti. Ah, ah ouais. T'as pris la frappe là? J'ai pris une putain de frappe, ouais. Voilà, c'est ça, un sang. Sauf que. Oui, ouais, j'ai pris. Oui, il a pris. Ça lui est rentré. Ouais. Putain. Voilà ce que c'est une touche de sang. Tu le sens. Tu te dis pas, j'ai touché un truc. Si c'était une touche, t'as vu. Je l'ai senti, ouais, d'accord. Ouais. Bam, tu dois la sentir. Ouais, c'est ça. Vraiment le coup, quoi. Ouais, c'est merde. Décharge. Bouf. Mais après, ce qui me rassure, c'est que du coup, je pêche un peu mieux quand même. Mais une fois que tu as compris un peu comment pêcher, voilà. Ouais, une fois que tu es en confiance dans ta pêche, tu as déjà fait la plupart du travail. Quoi. Je commence à assimiler le geste. Mais ouais, c'était pratiquement sûr que c'était une touche. Ouais. Enfin, pratiquement sûr. Je pense que c'en était une. J'ai vraiment senti l'impact. Ouais. Là, ça m'a surpris peut-être un peu aussi. Ouais. Ah, mais quand ça fait un moment que tu n'as pas pris une tape, d'un coup ça réveille quoi. T'es pas forcément prêt. Oh, il y a de la branche là. Ouf. Pendu. Oh yes. Ah, il m'a mis une frappe. Oh non. Décroché. Oh, quoi non? Décroché. Oh, merde. Et je comprends pas comment il s'est piqué parce que regarde, le Texan il est encore dedans. Ouais, mais c'est peut-être la queue. Et c'était un fiche. Ouais, bah, c'est pas un vilain fiche en plus. Non, c'était encore même, je dirais, pas loin du même calibre que tout à l'heure. Hein. Sous le bateau. À la fin. C'est pas possible qu'on touche pas dans ces ruines là. Juste... Alors, on va assister là. Hein. Bon, on se laisse arriver gentiment au début. Ouais, là, il y a doucement, tout doucement, là, c'est bien. Sur ce spot-là, on va le pêcher tout doux, parce que là, on a bien réussi aussi ces derniers temps. Mais c'est l'autre problème, on a bien réussi. J'ai passé sur un arbre, j'ai laissé descendre juste derrière, entre l'arbre et le bateau. Et là, arrivé presque au fond, pouf, grosse décharge. Ouais, peut-être s'éloigner un peu de la verge, non, au final? Pas forcément, non, parce qu'on est sur 7-8 mètres, ils sont entre la verge et nous. Hein. Si on s'éloigne de trop, après, on va... Les artistes reviennent. Fin de la première journée à Mequinenza. On va voir ce qu'ils ont fait. On va voir. Fallait le mettre à l'eau. Il n'y arrive pas non plus. Hein, ça arrêtait drôle quand même. Avec le téléphone à la main. Ouh. Bon alors. Mais 4 fiches, 2 fiches, 3 fiches. Ah bien. Et vous? Moi 2 fiches. Et 0. Ah ouais? Et alors comment, linéaire, vertical? Dans les bordures. C'est
c'était quoi? On a plus cendre. Moi je fais un. Et après un peu. J'en fais un en bordure, un peu au large. Et je fais un 68. Ouais. Et le deuxième c'est un, je sais pas, 55-60. Bon, c'est pas mal. Et vous le plus? Des gros ou des moyens? Des jolies. Belle perche. Une 39, une perche de 39. Ah bien. Ouais, moi aussi une perche. Oh, Black Minnow. Oui, qui fait un Black Minnow, j'ai perdu mon Black Minnow, j'ai fait avec le 68, je l'ai fait au Black Minnow. Il fait un basse de 52. Ah 52. En bordure ou en vertique? Bordure. En bordure, il fait. On sait, on a ou Black Minnow. On les a pêchés à plus. Non, on va aller en face. Là. Regarde mon verre, il y a un basse, il y a un basse. Il vient, il va prendre. J'ai. Il était sur le caillou là.